Bonjour tout le monde, bienvenue sur Store Game. Dans ce tutoriel sur le jeu de Castle Clash, l'ère des légendes, je vais effectuer un tirage pour tenter de gagner des héros légendaires. Actuellement, sur les 5 bases présentes ici contenant des héros, j'ai un seul héros qui n'est pas un héros légendaire, c'est Assassin, ici en mauve. Elle fait partie de la catégorie des héros d'élite. On va faire un tour rapidement avant de commencer à faire les tirages de gemmes dans le tableau des héros pour voir la liste des héros que je possède actuellement. Et donc je disais que Assassin faisait partie de la catégorie des héros élites. Dans les légendaires, aujourd'hui je possède 4 héros légendaires. L'héroïne Pixie. L'héros Orcs Ban et druide et champion. Donc grâce aux gemmes obtenues gratuitement parce que à certains moments il y a des défis sur le jeu Castle Clash, l'ère des légendes, pour tenter de gagner des gemmes gratuitement. Donc à ce moment-là, il vous suffit tout simplement de les récolter. Nous allons partir dans l'hôtel des héros. Et dans le module tirage acheter un héros grâce à un tirage de gemmes que nous allons faire de suite. Et pour commencer mon tirage, je vais partir sur du 150 gemmes. Donc ce qui me donnera seulement un héros au hasard. Donc c'est un héros d'élite, on va enchaîner. Un héros ordinaire, beaucoup moins fort. Alors sachez que tous les héros avec une fenêtre verte, ce sont tous des héros ordinaires, donc ce que je ne cherche pas du tout à avoir. Les fenêtres bleues, ce sont des héros d'élite. Voici un héros légendaire. Donc il s'appelle Ninja. Nous allons pouvoir l'intégrer dans l'hôtel des héros pour l'améliorer et ainsi le rendre un peu plus fort. Pour aujourd'hui, je vais arrêter mon tirage de gemmes car il me reste 296. Je vais les garder pour augmenter mon capital à 1000 et recommencer mon tirage comme je l'ai fait aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. À très bientôt pour d'autres vidéos sur Store Game.